Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Atlas Fallen. On est sur PS5 et on va partir pour une découverte. On va l'accepter, on va pas perdre de temps. Nouvelle partie, j'ai longuement hésité à prendre le jeu et puis je me suis dit on va le prendre et on verra bien. Là, je vais regarder juste un truc. On a performance, ok, un taux d'image par seconde élevé, performance ou une résolution élevée, qualité. On va laisser en performance pour la vidéo, je vais pas toucher parce que j'ai peur que ça flingue la capture si je touche. Et moi je regarderai de mon côté ce que ça donne, mais je vais laisser comme ça. En plus moi j'ai tendance à préférer la fluidité. On va se mettre en normal. Et on va se découvrir ça tranquillement. Je sais pas pourquoi j'ai encore le continuer qui s'affiche. Je sais pas si c'est normal. Bon. Every grain of essence holds eternity. Just a small thing, but brimming with life. Essence is not meant for mortals. It is meant for Thelos, the god who demands essence. So we oblige, as we have done for centuries, by pledging our lives to Thelos, by bowing our heads. I will bow no longer. On the day the light dimmed, I set things in motion. I knew there would be fighting. I knew there would be death. Wraiths enraged by the darkened sun would take the innocent. But I took that bet. A gamble with a steep price. Hoping that they would awaken. Bon, c'était pas très très gai. Oh putain, il fait chaud par contre. Je suis désolé, mais là dans mon bureau il fait 26 degrés. Puisque pour capturer, j'ai la console et la télé qui sont allumées, et à côté j'ai mon PC qui tourne. Donc ça pique un peu là. Bon, pour le mode fluidité, on va dire, le mode performance ou le mode qualité, si ça ne change que la résolution, que ça touche pas au niveau de détail, etc., c'est clair, je vais rester comme ça, parce que j'avoue que c'est super fluide, pour le moment. Non, c'est bien comme ça. Sauter, ok, on a un double saut. Là, j'avance par là, mais en vrai, moi aussi, j'imagine que c'est ça, il n'y a qu'un seul chemin. C'est pour nous donner les commandes de base. Et on va se... Ok. Esquive avec R1. Ok. De ce que j'ai compris en plus, c'est un jeu où on va avoir une sorte de système d'élan un peu, avec une barre qui va se remplir. Plus cette barre se remplit, plus on fait des dégâts, mais par contre, plus on en prend quand on prend des coups, en fait. C'est la double tranchant, c'est-à-dire que vous pouvez faire un one-shot, mais par contre, au lieu de prendre, je sais pas, 10 points de dégâts, quand vous prenez un coup, bah, sur le même coup, vous allez en prendre 30 ou 40, quoi. En gros, quand on avancera dans le jeu plus tard. En gros... Ouais.
Par contre, ah si, on peut cibler. J'allais vous dire, il y a déjà quelque chose qui me dérange par contre. C'est qu'on peut pas cibler les ennemis. Mais si, bien sûr, on peut. Bon, vous m'en voulez pas. C'est un peu la gerbe là, le temps que je prenne en main le truc. Ouais, non, en fait, je vais même pas essayer le mode qualité, je vais rester comme ça. C'est super fluide et... très honnêtement, moi, je préfère ça. Même si j'ai une résolution moins élevée, je m'en fous un peu. Pour l'instant, je privilégie ça. J'essaierai... de mon côté, mais je pense qu'il n'y a aucun doute. Bon, heureusement que pour l'instant, je vois pas de barre de vie s'afficher, parce que là... J'ai un petit peu de mal à gérer l'esquive et tout en même temps. Après, c'est vraiment... Je pense que c'est le temps de prendre le truc en main. Et puis après, je suis un petit peu... un bourrin de base. Donc je pense qu'en étant un peu moins bourrin... Ah oui, c'est bien ça. Mais je crois que c'est ça, quand la barre se remplit à fond, ce que je vous expliquais, le système de la barre aussi, c'est qu'en fait, cette barre, alors, il y a, c'est à double tranchant, c'est plus elle est remplie, plus vous faites de dégâts, mais plus vous en prenez, mais par contre, à chaque palier de la barre, parce qu'il y a des paliers dessus, vous avez des compétences que vous allez pouvoir assigner en montant en niveau et tout après dans le jeu, et donc en fait, malgré tout, ça vous amène quand même, même si vous prenez plus de dégâts, ça vous amène quand même des avantages de faire monter cette barre. Mais après, ça va amener quand même une réflexion sur les combats, de se dire, est-ce que ça vaudrait pas le coup, peut-être que je fasse moins de dégâts, là, mais que je sois un peu plus solide défensivement, quoi. Ça peut amener une petite réflexion un peu tactique. Ils sont un petit peu gros, quand même, non? Ah, donc, maintenant, on a création d'un personnage, donc j'imagine que ça va être quelque chose d'assez d'assez rapide. Hein. Vous voyez, on va choisir un visage de base. Ça, c'est pas mal, mais on va garder elle. Ouais, non, pour le coup. Ok, les cheveux, on peut changer. Ok. Ah, on est obligé de cliquer à chaque fois. On va pas non plus. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien cette coiffure. Après, vous voyez, il n'y a pas un choix démesuré hein, de personnalisation. C'est du basique. Ça, j'aime bien aussi. Alors, ça... non. Ça. Ou ça. Regardez ça. Les cheveux. On va lui faire comme ça, tiens. On va lui faire comme ça. Couleur de la peau, c'est pas mal. Elle est un petit peu typée. Elle est trop blanche. Un petit peu typée avec des petites taches de rousseur. C'est quoi sa structure du visage? Ça fait quoi? Ça fait vite des trucs un peu grossiers, on va laisser comme ça. Forme du visage. Ah oui, ça change un petit peu les pommettes. Ouais.
Un visage assez fin quand même. Ça change pas grand chose. Hein. On va laisser comme c'était, forme des yeux. Ouais, je sais pas, ça fait un peu un regard de chien battu, je trouve, mais tous les yeux font ça là. Bon, on va lui faire des yeux un peu comme ça. Ah oui, attendez. Même ça, les sourcils sont vachement inclinés, je trouve. Ça fait un peu genre les yeux froncés tout le temps. Caractéristique, c'est quoi? Forme du nez, petit nez trompette, c'est pas mal. Je passe un petit peu de temps dedans, hein, mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Non, ça c'est très bien. Ouais, et bon, les oreilles. Enfin, ça, c'est des trucs avec les cheveux, on s'en fout un peu, mais bon. Ah, bon, on va mettre ça. Couleur de la tenue. Ouais, bon, ça change pas grand-chose, on va laisser comme ça. Confirmer le personnage. Et on y va comme ça. Bon, cette vidéo, elle va être un petit peu longue. Mais c'est pas grave, on s'en fout un peu. Faites du surf sur les plantes pour la collecter automatiquement. Ok. Il y a des petites astuces qui s'affichent, c'est pas mal. Après, de toute façon, cette tenue, on va pas la garder, hein. Je pense qu'on va avoir des armures, des choses comme ça. Le camp au milieu du bordel, là? On sera plus en sécurité, là? Je suis pas sûr, mais bon. On fait de la route. We made it. Thank you for saving my life. I'm a tracker. Finding lost people is what I do. Still, you always have our backs. But why did this happen? This route has always been safe. We didn't take our usual route. The Queen changed our course at the last moment. The Queen? Why should she care for one caravan? I don't know. This has never happened before. These lands, they are cursed. Wraiths are everywhere. But the guards, they should have protected us. Hush, one's coming. You, unnamed. No loafing, get back to work. We just escaped the storm. We need a moment. On va faire le rebelle dès le début. I'm right here. Move, or I'll throw you to the wraiths myself. Go, child. The words of an unnamed mean nothing to his kind. Go. I'll be fine. The way they speak to us. This eclipse is an ill omen. The guards are on edge. Do not provoke them. Ouais, on va peut-être essayer. They left us to die out there. Someone needs to answer for that. I agree. But now's not the time. Our people, they're beaten, bloodied, afraid. Talk to the others. We need to stick together. Try to keep the morale up or we'll die here. We are strong. I know it. Together. Bon, c'est bien, on peut choisir quand même les dialogues. Je sais pas si ça aura vraiment un impact, mais en tout cas, on peut choisir ce qu'on répond.
Have you recovered from the storm? Are you better? I'm getting old. A few years ago... Nah, listen to me ramble. I will survive. Are you hurt? Do you need a healer? No, 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 no. Don't worry about me. Heavens abide, though. I could eat a moose. That settles it. I'll find you something to eat. Alors, elle dit que la reine a changé d'itinéraire. She changed our route? I overheard the guard. Although I don't know why the Thousand-Year Queen herself would take an interest in our caravan. But for her to personally intervene, well, something's afoot. Ah oui, pour que la reine s'intéresse à une caravane comme ça. I've never seen her in person. C'est chelou. I have. Once. And I'd much rather not talk about it. She is a monster. Despite having lived for centuries, she has never stood for the people. She only serves Thelos. And their essence needs. I see. Oui. I'll return. On va se lever. Ah ouais, on peut jouer en coop aussi. Plus de risques en solo, il est désormais possible de jouer à plusieurs, inviter quelqu'un à rejoindre votre partie dans l'onglet coop du menu pour ouvrir, machin. Ok, par contre, non, ce que je voudrais faire, moi... Ah ouais, donc... Il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer dans la partie comme ça, d'accord. Donc tout ça, c'est les matériaux, tout ce qu'on va ramasser, j'imagine. Là, on a les quêtes. Après, je pense qu'on aura une carte aussi, hein. J'imagine bien. Whoa, stay back. The race are hammering on this thing like there's no tomorrow. Which, well, I suppose there might not be. We were left behind in the chaos. What happened? Captain Morath ran, no hesitation. He ordered his carriage away from the race at full speed. I've only seen him once since then. And he threw Builder to the storm. We need to discuss our next steps. We cannot stand for this. We're unnamed. What else should we expect? Il faut se faire respecter à un moment. We have to let them know. Maybe. But what good will a gathering do? They have swords, friend. We don't even have armor. It doesn't have to end in a fight. First, we need to come together. You're right. I'll come to the campfire when I can. Good. Thank you, brother. In the meantime, this wraith isn't going to barricade itself off. Allez, on va aller parler aux autres. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est un truc à ramasser. Donc j'imagine qu'on va avoir des trucs à ramasser un petit peu partout. Did something happen? What? No, I... The guards are... Oh, je vous laisse profiter des dialogues, hein. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. I don't want to be thrown out. Track and I were thinking we should meet at the campfire. Just to talk about what happened. Together. Oh, no way. They'll throw you out. All of you. I shouldn't even be speaking to you. Maybe. But what's the alternative? We have to stick together. Or we'll all die here. Okay. Okay, I'll come. I just... Thank you. As long as I don't need to talk. The memories are still... too fresh. Ouais, c'est pas grave. Non, t'as dit qu'il fallait que tu viennes, c'est tout. Alors, le dernier, on va aller le voir par là. Ouais, j'ai bien vu, ouais. Peace, friend. You don't want to attract Morath's attention. Let him come. He's a fattest pig of all. He's a damn murderer. Tracker wants to gather and talk about what happened, about what we should do. You're damn right.
We need to attack. Take the initiative. Lui, il est chaud, lui. Il a envie de se battre. We are tired, exhausted. First, we have to stick together. Yes. Hop, attends, je vais essayer de pas taper dans le micro. Il y a mon siège qui grince, je suis désolé. Bon, je suis désolé, pour l'instant il se passe pas grand chose. Si vraiment faut faire une autre vidéo, je le ferai. Je sens pas les glaouis de ton pote là. Hop, on va aller ramasser ça. Tracker, I've checked on the others. They'll come as soon as they're done with their tasks. Good. We'll wait until everyone's here. I hope they don't take too long. Friends, thank you for coming. The situation is dire. We have lost family. The guards are as much a threat as the storm. We need to act. What can we possibly do? They are guards, soldiers. They say they don't care, but they need us alive if they want to reach the capital. Yeah, there's no way they can carry the essence without us. So I say we fight. It's more of us. We can take them. It's better than to die out there. Il est chaud, lui, hein. If we fight, we could win, but the cost will be steep. So I say, we take our demands to the true culprit, Morath. Yes, yes. We have no other option, brothers. Sisters. Desperate times call for... Well... Morath. He can't escape justice. He's a murderer. He is, and he will be judged. T'en fais pas, on s'occupera de son cas. Je sais pas qui c'est, ce connard, mais... À l'œuvre, là. J'imagine que c'est lui, hein. Captain Morath, may the sun light your way. Can I? No. Back to work, all of you. Now. Delos is watching. Ouais, mais mon petit pote. Have you seen the mess we're in? And you sit around doing nothing? There's no law against having a conversation, even for us unnamed. You dare? You dare to? We need you to listen to us now, or we'll all die. We run this camp. Whether you admit it or not, you need us. Choose your next words extremely carefully, unnamed. I've run men through. Oui, mais là, tu l'as pas fait. Parce que t'as besoin de nous. Then run me through. See how long you survive without workers to move the essence or cook your food. You all think this is easy, don't you? How typical. Child, be careful. That's the problem with people like you. Overwhelmed by savage self-preservation. I did not ask for this either. Delos challenged us to survive in this storm. Our god is watching us, and this charade puts us all at risk. You, ringleader, you dare talk back to me? Then you'll be perfect for a task I have in mind. Captain, you have to listen to us. Silence! One of your kind stole something from me and ran into the wastes. Find it. We may reach an accord.
It is death out there. Don't. If it helps our people, I will do it. On va y aller. Ça me dit que j'ai un petit peu d'équipement quand même. Don't come back before finding that thief. Bon. Pour l'instant, vous voyez, on n'a même pas de double saut avec elle. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, j'ai rien pour me défendre là. Du coup, est-ce qu'il va y avoir un truc bien spécifique à faire ? Ah. Ce sera plus pour très longtemps que j'aurai rien pour me défendre. Allez, on va se battre. Bon, finalement, ça va. Il se passe des choses. Ça n'a pas été trop long comme intro. Donc, vous l'avez vu, c'est pas un triple A. Donc, la mise en scène n'est pas non plus... Bon, j'ai déjà pris des dégâts. Faut quand même que je fasse attention parce que là, cette fois... Someplace safe first. I think I need a moment. Et d'obtenir de la poussière d'essence s'obtient. Ah, j'ai pas eu le temps de tout lire. Bon, c'est pas grave. On va continuer à avancer. On va quand même essayer de faire quelque chose dans cette vidéo. C'est ça, vous gênez de la ferveur en touchant, en battant vos adversaires. La ferveur augmente les dégâts que vous infligez. Augmente les dégâts que vous infligez, mais aussi les dégâts que vous recevez. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous ne touchez pas vos adversaires, cette ferveur disparaît. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Parce que j'ai quand même regardé quelques vidéos avant de me décider. Par contre, il va falloir que j'esquive plus que ça, parce que là, je prends trop de dégâts. Vos armes grossissent et deviennent plus puissantes. Et vos coups possibles changent. Ce qu'on appelle l'ascension. Oh là là. Je fais pas assez attention aux esquives là. Faut vraiment que je me concentre plus que ça. Après, en plus. Je le dis pas très souvent, ça, moi, pour le coup, mais quand on est en vidéo, on est quand même moins concentré. Vous pouvez vous soigner en consommant des charges de votre idole. Avec L2 plus X, l'énergie de votre idole se remplit quand vous touchez vos adversaires. Récupérez suffisamment d'énergie. Ok, elle obtient une charge, d'accord. Thank you for trusting me. Ok. I've been stuck here.
I don't remember how long. I don't trust you just yet. But if we can protect people from the Wraiths, it's a good start. Are you on your own? I'm part of a caravan. We were attacked by Wraiths and settled nearby. What is this gauntlet? What's it doing out here? I wish I could remember, but I know the gauntlet is incomplete. It only has a fraction of its power. Ah, donc en fait, après, en plus, on va du coup récupérer des compétences, etc. J'imagine de la des armures, des équipements qu'on va looter. J'imagine. Hein. Ah, ça y en a le double saut. Ça ferait penser à... Peut-être un peu... J'ai pas beaucoup joué à ça, mais j'ai essayé le premier. Comment ça s'appelle? Darksider. Éventuellement, j'ai l'impression. On va essayer de rester loin d'eux. Merde. En fait, pour l'instant, je me bats un peu avec le système pour cibler. Je me bats un petit peu avec ça. À la base, moi, j'étais venu ramasser une fleur. Je sais pas trop pour quelle raison je devais... Enfin, je peux ramasser cette fleur pour le moment, mais ça va bien servir à un craft ou à quelque chose à un moment. Faut faire attention parce qu'en plus ils mettent plusieurs coups, les petits salauds. Maintenant ils sont trois. Donc j'ai intérêt de vraiment me méfier. Voilà, c'est ce que je disais. Maintenant, ils sont trois. Donc j'ai intérêt de vraiment me méfier. Surtout que bah là, je prends ma barre agrandie, donc je prends vraiment plus de dégâts. Mais je vois que mon arme effectivement grandit aussi, et qu'elle est plus efficace. Donc ouais, c'est un système qui est intéressant, franchement. C'est quand même original par rapport à ce qui est sorti ces derniers temps. Donc c'est plutôt plutôt sympa. Ça peut être plutôt sympa. Alors, I came to retrieve what you stole from Mora. You risked your life for this? Not for this, for my friends. Give me that thing. I can talk to Mora. We'll work this out. Somehow. I can't go back. They'll kill me. I'll take the darn thing. It's no use to me now. Thank you. Wait here. I'll return. Stay safe. Stay safe. Don't try this. Est-ce qu'on peut descendre direct? Ou est-ce que c'est risqué? Oula, on va pas aller là. Hein? Hey, find Mora. I have his memento. Fetch the captain. Yes, sir. As for you. Stay where you are. I'm not going anywhere. So, you survived. Impressive. For filth like you. Gaffe parce que je vais peut-être te coller une droite, mon pote. Why don't we... Wait. On your arm. What is that? I don't know. I found it. Then it is mine. Curious. Oh, je pense qu'il va crever. Brought a
was a curse. Seize this one. Inside. Now. I'll get rid of this. Curse you, Morath. Oh, gone. With the gauntlet. That voice is gone too. I have to get it back. I need to find them. Perhaps Tracker can help. C'est vraiment un enculé celui-là. I'm glad you're back. Come, child. I saw what happened. The gauntlet. I know that artifact. Don't ask how, but I do. It is a weapon. A powerful weapon. I heard a voice. It spoke to me in my head. Hush now. Listen. You must retrieve that artifact. Morath can't be allowed to have it. That power. We could use it to free ourselves from him. Yes. It was used in the past. By the Knights of Vastingar. They used it to defy the Queen 10 years ago. To save the people. But weren't they defeated? They were. But the gauntlet spoke to you. You have to get it back. It could save us all. Oui, il va falloir que je la récupère. They were looking for workers. Tell them I sent you. We are counting on you. Eh ben allons-y. On va continuer un peu. Tant pis, la vidéo va être longue, mais. I'm glad you're back. Tracker sent me to work in the upper camp. Go join the other unnamed at the graves behind the tents on the left side. Quickly now. Il y a des trucs à ramasser un petit peu partout. Là-bas derrière aussi. On va les ramasser. Pour l'instant, on n'a pas forcément d'idée de ce à quoi ça sert, mais... Après, il y a des trucs, je pense que c'est du collectible, quoi. Don't come closer. You have no business here, unnamed. Did Morath come through here? You think this concerns you? Stop snooping around. Back to work. I've come to volunteer to fend off the wraiths outside. Sure. Better get some armor before going out then, if you're going to be useful at all. The vendor has what you need. Now get lost. Fine. Okay. I'll get going. On va aller chercher une armure. Attendez, là où il y a un autre truc à récupérer. C'est des sous, je pense. Donc on va aller voir le marchand. J'aurais sûrement pas un truc de fou pour l'instant, mais ce sera toujours mieux. Hein. I don't think we've met. Ah, my name. Let's see. Let us be equals. I am a vendor, and I travel. So you can call me the Traveling Vendor. I joined the caravan at the last stop, right before we went into the storm. Which was not the best decision. My wares are so divine, only I, of all the thousands of vendors out there, am allowed to sell to the caravans. Not that it worked out so well on this particular trip, but still. Speaking of business, anything you need from me? Alors, bah... Ouais, j'ai bien fait de fouiller parce que... Alors... Armure, bah ouais, on va acheter ça, hein. Les armures que vous obtenez se trouvent dans le menu. Les armures modifient vos statistiques et donc vos capacités au combat. Équipez votre nouvelle armure en appuyant sur X. Boum. On peut. Ah, c'est bien. Ça, j'aime bien. Quand on peut faire ça dans les jeux, c'est-à-dire que quand vous vous faites chier à faire un perso qui vous plaît et qu'il a un casque et qu'on le voit plus. Donc là, on a quand même les statistiques du casque, en gros, mais on voit notre perso, quoi. Et personnaliser, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Ah ouais, non, non, on est un peu plus classe comme ça. Et donc, maintenant, on a une constitution à 3, une défense à 2. Et on a vraiment des détails. Ok. On va continuer encore un petit peu, puis on va s'arrêter, hein. Don't come closer. You have no business here, unnamed. So, you're here to volunteer out there? Yes. I don't want to sit around anymore. Well, one less unnamed for me to worry about. Trop du cul. Ouais. Par contre là, je me retrouve sans arme. Attendez, je rechange de position parce que je suis pas très bien. J'espère que ça va pas être trop long après parce que le fichier son des fois il me fait chier quand c'est trop long. Bon, on espère qu'on va pas se faire attaquer maintenant. Après, là, c'est vraiment scripté, hein, donc j'imagine qu'on va pas se faire attaquer sans possibilité de se défendre. Hop, allons ramasser. Bon, il est dans la grotte, visiblement. Ce qui est bien, c'est qu'on peut descendre quand même là, des rebords assez hauts, sans se prendre des dégâts de chute pour tout et n'importe quoi. Bon, on est tombé dans le fond d'un trou, c'est pas terrible. L'autre il va croire qu'on est mort, certainement. Et on va pouvoir aller le chercher. Oh putain. Bon, on s'arrêtera sur ce... La peau de sable et pareil les attaques. Un éclair rouge apparaît avant l'attaque pour indiquer le moment idéal pour utiliser la peau de sable. En cas de parade réussie, réinitialise le chargement de la peau de sable. Ok, ok, ok. Bon. Ah ouais, en plus ça l'immobilise pendant quelques... Ah ouais, en fait, ça c'est pareil, si tu l'utilises dans le bon timing, on va s'éloigner. Voilà, je l'ai raté par exemple. C'est vraiment efficace si tu l'utilises bien. On va se soigner. Ah ouais, c'est cool. Bon, après, c'était un... C'est un tuto. Wait, what are you? A spirit of some kind? I don't remember. But that name, Thelos, I know it. Thelos, the order, the sun. It means something to me. I'm starting to remember my powers. Later, let's move. Fouet et épée. Oppression et rébellion. Le fouet de sable façonne le sable
pour en faire les armes de l'opprimé et de l'oppresseur et restaurer ainsi l'équilibre. Équiper. Ce menu vous permet de choisir le type d'arme principale et secondaire. Le menu comprend des informations de base sur chaque type d'arme, notamment ses points forts. Choisissez le fouet de sable comme arme secondaire en appuyant sur triangle. Ok, donc on a la hache et le fouet, en gros. Quand une arme est sélectionnée, appuyez sur X pour voir la liste de ses coups. D'accord, on a plein de coups différents, vous voyez. Et ça, c'est mon arme principale. Et donc, vous voyez, elles ont des caractéristiques différentes. Celle-là a un plus gros impact. Et elle tape un peu plus vite, mais je gagne moins de ferveur et j'ai moins de portée. Et là, la ferveur et la portée sont à fond. La vitesse et l'impact, moins... Et on peut les modifier, on peut la mettre. Ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir laquelle on veut en secondaire, laquelle on veut en principal. Donc ça, c'est plutôt cool. Écoutez, on va pas aller plus loin. Pour cette vidéo, j'aurais aimé continuer à vous en montrer encore, mais ça fait 3 quarts d'heure. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo aussi longue. Donc on va s'arrêter là-dessus. Je pense que je vais même pas vous faire de cut sur cette vidéo. On va y aller comme ça, à l'ancienne. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.